dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Eh ben, reprenons le home au voleur, à 200 mètres. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Messieurs, les voilà, les serpents cendres. Puisque évidemment, les serpents cendres sont exclusivement des hommes, hein, si vous avez bien fait attention, jusqu'à maintenant. Oh là là, il s'est fait démonter. Protego, Stupéfix, Confringo, Expelliarmus. Bim. Expelliarmus. Toi là-bas. Classus. À côté. Bim. 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 Oh là là, il a pris 1000 dans la bouche. Ça sert à rien, ta magie de merde. Confringo. Hop là. J'aurais bien aimé le changer en poulet. Confringo. Action. Oh là 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 là. Il est en train de se faire retourner comme une salope. Revelio. Il y a de la potion Wiggenveld qui traîne. Je prends, même si on n'a pas eu beaucoup de dégâts. Cette musique fait beaucoup penser à la musique qu'il y a dans l'Ordre du Phénix. Toutes les musiques s'inspirent, de toute façon. Cruauté 1. Je vais voir. C'est dans collection, je crois. Non, c'est pas dans collection. C'est dans les défis, peut-être. Non. Alors, je sais pas ce que c'est, la cruauté. Mais je prends. Pour l'instant, ma tenue est plutôt qualitative. Oh! Plus 7 si je porte ça. Oh, la tenue, ça lui va pas du tout. Du coup, ça pourrait peut-être être l'occasion de remettre la tenue d'élève. Tenue de préfet avec gilet. Le pantalon me plaît pas très très bien. Dernier cri. J'appelle pas ça vraiment dernier cri, mais si vous voulez... Uniforme brodé décontracté. Pololo. D'aristocrate. Tenue décontractée, ok. Tenue de voyageur. Moi, j'aime bien l'uniforme brodé décontracté. Alors là, ça fait homme d'affaires de serre d'aigle. Hein. On va prendre ça. Avec la nouvelle à liseré. Oh, elle est très jolie en plus, à liseré. Moi, j'aimerais bien les petites dorures, mais on ne l'a pas encore débloqué. Prenons ça. Oh, elle a une certaine classe, comme élève de serre d'aigle. On a tout pris. À part les champis, là-bas. Voilà. Le fameux home. Ça, c'est pour Rockwood. Ah,
Comme c'est gentil. Et ça, c'est pour ta maman. Hop là, un poulet. Incendio. Expedient. Non. La suite. Repulso. Confringo. Action. Les vieux sont. Petit coup de baguette. Encore une Wiegandwald. On va être fou là en Wiegandwald. Ah, on peut pas récupérer ça, c'est bugué, le jeu est bugué. Je voulais mon argent. Ah, il est marqué comme finito ce camp. D'accord, c'est comme ça qu'on sait que c'est fini. Eh ben on le saura, on nettoiera tout ça. Il y a des araignées, on va aller s'en occuper, tiens. C'est toi qui as libéré Treadwell, n'est-ce pas? C'était une erreur. Où ça? Éclaireur Serpent Cendre, il est où? Qui m'a parlé? Il n'y a plus d'araignée ici en fait. T'es où, petit éclaireur Serpent Cendre? Qui m'a parlé? Bon, bah tant pis. Retournons voir Lodgok. Magnifique! Oh, ça donne de ces images. Mystérieux et perturbant. Que faire? Atterrissage n'est pas disponible. Bah, la preuve, si. J'ai repris le home au Serpent Cendre. Bravo! Nul doute que Ranrok sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Oula, attention quand même. On dirait un simple home. Non, on va pas le faire chier. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. On est dans le RP sympathique, je vous le rappelle. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrok devrait nous accorder. Si on tombe sur Voldemort, on lui met la misère, mais après, on est tout à fait courtois avec lui. De ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Je ne sais pas si c'est réciproque, hein. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Oui. Faut que je retourne voir Sirona, aux trois balais. Je suppute. Bon, bah on a fini toutes les quêtes principales pour l'instant qui nous étaient données de faire. On va sûrement être contacté incessamment sous tout de suite. Bonjour, j'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Très bien. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt bien me sûr. Rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Oui, ça va, ça se passe plutôt bien. Vous avez assisté au cours sur les créatures. J'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez vous trouver là-bas quand vous pourrez. Eh ben, on va y aller. On va aller faire ça. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte. Mais qui es-tu ? Peux-tu me retrouver dans la cour ? Mais me parle pas ! Pouf, souffle ! Enfin ! De quel droit les poufs-souffles s'autorisent à me contacter comme ça? Bon, allons dans la salle sur demande. Du coup, ça se passe... Oh, il y a la dernière épreuve du plateau. Ou c'est la deuxième? Avec Samantha Dell, parce qu'on n'a pas fait, nous, la deuxième. Oui, c'est la deuxième. Bonjour, Samantha. Quel plaisir de te retrouver. Bonjour. Serre d'aigle, bien sûr. Tu es là pour jouer au plateau d'attraction ? Oui, je suis assez douée pour ça. Je jouais tout le temps avec mon frère. On a battu Léandre Prouette un peu difficilement d'ailleurs la dernière fois, si vous vous rappelez bien. Peu importe. Alors, on peut commencer ?
Allons-y. Oui, ça me tente. Dans ce cas, c'est parti. C'est à Samantha de jouer. Oh, il y a des trucs de répulsion par terre. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi jarter tes balles. Allez, retour à l'envoyeur. Magnifique. On va tâcher de faire mieux. Action. Ah, un peu trop fort. Un peu trop fort, mon bon seigneur. Mais c'est pas grave, on se rattrapera à la prochaine. Oui, oui, ma petite Samantha. Hein. Toi aussi, tu vas devoir faire mieux. Celle-là va être difficile, celle qui est tout à droite. Parfait. C'était incroyable. Comme tu dis. Elle va pousser ses propres boules, cette crétine. Ça va être chaud, cette dernière boule. Action. En retard. Eh ben tu peux pas. C'est la fin. Finito. C'est lose. Désolé Samantha Dell. Après ta débâcle contre Nati en classe, j'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment... Mais je l'avais défoncé Nati, qu'est-ce que tu racontes? J'ai bien envie de lui parler mal, hein, mais elle est de ma maison, donc... Ne dis pas ça, Samantha. T'es une bonne joueuse. C'est gentil à toi de dire ça. Mais si je suis douée, c'est que toi, tu l'es encore plus. Comme tu dis. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. Merci. Au plaisir de te revoir dans la salle commune, quand j'y passerai deux fois dans l'année. Par contre, je t'inviterai peut-être dans ma salle sur demande. Est-ce que je peux... Oui. Allô, Mora. Voilà, pas très compliqué jusque-là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Écharpe avec emblème de maison. Mais je l'ai déjà, non? Eh ben non, je ne l'avais pas. Fais voir. Enfin, j'en avais une qui ressemblait à ça quand même, non? Là. Ah oui, elle est pas tout à fait placée de la même façon. Eh ben en hiver, on saura quoi mettre, hein, les habits. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Où sont les trucs puisque ça, normalement, il y a des machins... Il est là. Il y en a un là. Il y en a un deuxième. Où il n'y avait qu'un seul point d'interrogation. Non, il y en a deux. Il est là, l'autre. Ok. Donc. Une araignée, 12 et un truc, ça fait 22. Sachant que il faut compter ces trucs-là de 0 jusqu'à N. Ici. Donc, l'araignée, elle se situe ici. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 12, ça veut dire que ça fait 2, le dernier truc. Donc, c'est probablement l'espèce de... C'est un sombral, je sais pas, on dirait un warg. C'est pour le premier, hein, oui, on est d'accord. C'est ce truc-là, non ? Avec des cornes ? Oui, je crois que c'est ça. Et puis, le deuxième, du coup, le poulpe. Le poulpe, ça fait... On a dit 8, hein. Ça s'arrête à 9, du coup, ça fait 7. 7 et l'espèce de licorne, ça fait 1. Ça veut dire que c'est de nouveau la licorne. En toute logique. Attention.
Et voilà! En toute simplicité, les amis. Revelio. On devient vraiment très très bon maintenant. Vinete. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Finité. D'accord. Faut pas toucher ce tableau. Casquette plate bleue. Statue de Sombral. C'est tout ? On me dit qu'il y a quelque chose. En tout cas, ce tableau, vaut mieux pas le toucher. Où est-ce qu'on me dit qu'il y a quelque chose ? Bon, bah on va continuer pour l'instant. Je suis curieux. Très joli ces couloirs. Niveau 2, donc c'est mort. Pour l'instant, en tout cas. Revelio. Ça, c'est curieux. Confringo. Non. Ça m'amène où, cette histoire? Ah, tiens, une armoire avec une clé du dédale. On va essayer de la trouver, cette clé. Un genre d'alambic. La salle des potions, ok. Bon. Donc, salle sur demande. Pièce secrète. C'est parti. On va pouvoir avoir la nouvelle aile. Chic est très heureux de vous voir. Chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. C'est le sac de Norbert Dragono, c'est ça? Ce genre de choses. Chic appelle ça un sac de capture. Ouais, c'est puissant! Il sert à... J'ai failli me faire capturer. ...transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. Dans une salle sur demande qui n'existe pas vraiment. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Il vaut mieux faire comme avec les Pokémon, après tout. Chic peut vous dire où et comment utiliser... C'est beaucoup plus humain envers les animaux. Par ici, je vous prie. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chic quand vous voudrez. Allons-y ensemble. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait! Chic se charge de tout. Où est-ce qu'il va m'emmener? Ce fut une époque difficile pour Chic. Chic s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Ah bon? Un vil braconnier. Chic a détesté devoir le servir. Chic peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chic a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Oh, Nemoursouf! C'est ça que tu veux me faire capturer? Chic adore venir ici pour observer ces créatures. Surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Oh, celui-là, il est beau. Moi, je veux celui-là, là. Assigner le sac de capture. Tiens, à la place de ça, hop. Toi, là. Merde, ça a foiré. Doudou, j'essaye seulement de t'aider. Est-ce qu'on peut
Les Glacius. Tu croyais m'avoir comme ça, hein? Hop là! C'est pour ton bien! Du coup, ça veut dire qu'on pourra aussi avoir des chiens? J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Oh, t'as pas envie de savoir, fais-moi confiance. Avec vous, toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour est-ce qu'ils seront vraiment plus en sécurité avec moi? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Alors, juste... Action. Je peux pas Wingardium Leviosa ce truc? Hop là, c'est pour ton bien aussi. Je veillerai bien sur toi. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a pris deux femelles, je suis pas sûr. Joe Barbie. Un cousin éloigné du professeur Bulby. On attend toujours aussi que le... L'autre nous rappelle pour nous donner la deuxième amélioration de balai. Hein. Je vais aller encore plus vite, moi, avec mon balai. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarbies sont juste là pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des... Ah mais c'est des animaux, donc non, ça peut pas être les cousins du professeur Bulby. Respectons-nous un petit peu. Et si je ne trouve pas de créatures, il se passe quoi? Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou... Il est en train de nous expliquer que c'est dans les règles du jeu, c'est comme ça que le jeu a été développé, donc si tu ne les trouves pas... Tu as des conseils qui pourraient m'aider à... C'est que tu ne sais pas jouer au jeu. Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Le Glacius marche bien, pour information aussi. Vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître? Mais en fait, on n'en voulait pas des détails. N'était pas tendre avec les créatures. Ah, il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions ou s'en servait pour le travail. Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Attention, hein, ça fait comme par Turnax, tout ça. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbie. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Le Jobarbie. Attention. Levioso. Ça en est. Celui-là est très joli. Merde, j'ai loupé. Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. Hop là. Moi je voulais le gris, il était beau. On va s'éloigner un peu. Peut-être que ça les fera revenir. J'ai un juste de capturer quelqu'un de leur famille, mais bon. Alors lui là, moi je veux le gris. Levioso. Hop. Nickel. Zero Win ne me croira jamais.
Chic. J'ai récupéré un Joe Barbie. Chic, deux en fait. Joe Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chic a découvert l'existence d'un troupeau de veaux de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Des veaux de lune. Chic vous retrouvera là-bas. Et Chic me retrouve à beaucoup d'endroits d'ailleurs, hein ? Allons-y. Hop. J'active ça. Repère de veau de lune. Bonjour, Chic. C'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, de Little Dean, vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. On s'en fout de comment il est arrivé à Poudlard. Veau de lune. Chic attendra votre retour. Du coup, ça n'a aucun rapport avec la quête, quoi. Vous pouvez avancer le temps. Ah, ils n'apparaissent que la nuit, il a dit. Ok. Hop. Magie. Mais c'est tout mignon, ces créatures. Moi, je veux le blanc. Hop là. Mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. J'ai pu avoir de place dans ce sac. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Oh, comment il me regarde. Il me juge. Mais c'est pas le bon. C'est pas celui-là. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Moi, je veux le blanc. Levioso. Non, c'est pas le bon. Toi. Tu croyais m'échapper, hein. Bon, mon sac doit être bien rempli maintenant. Je veillerai bien sur toi. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très... Je les verrai danser dans ma salle sur demande. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chic vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Eh ben allons-y. Téléportons-nous. Pièce secrète. Vous remarquerez que le jeu ne plante plus, il est particulièrement fluide hein, maintenant, ça y est, hein, les problèmes sont derrière nous. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. On peut pas les mettre dans la salle sur demande, ils vont chier partout. Il y a place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une... C'est ce que j'étais en train de dire. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement ? C'est pas tout à fait ça, mais oui. Incroyable ! Vous avez réussi ! De quoi s'agit-il ? Chic n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur. Comme dirait le professeur Slughorn, c'était de la belle magie. Splendide. Je me suis surpassé. Regardez ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chic ? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Leur nouvelle prison ?
Alors, nous avons de la boursouflerie. Nous avons ajouté la créature au vivarium. Hop. On ajoute la totale. Pourquoi on peut en ajouter que 3? J'en veux ajouter plus. Parfait. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. Donc en fait, c'est exactement la même chose que du braconnage, mais façon corsaire. Ils fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chic vous montrera comment les utiliser. Parfait. Il y a moyen de se faire de la thune, apparemment. Ouais. Bon, on a un boursouf en trop, puisqu'on a que des femelles. Ouais, on a que des femelles boursouf. Par contre, ça, on peut le libérer. Hop. Okay. C'est sympa, hein, c'est plutôt bien fait. Ramener à son habitat, invoquer. Un petit coup de bouffe aussi. Hop. Ah, il veut manger aussi, lui. Enfin, elle, plutôt. Et ça nous donne des magnifiques plumes de Jobarbille. Et lui, il a besoin d'être brossé. Eh ben nickel, on est pas mal là. Bon bah Chick. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des... Ah, on va pouvoir utiliser les fameux emplacements. Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Directement dans mes vêtements, comme il dit. Lui, il est nourri, donc c'est bon. Lui aussi. Tiens. Est-ce qu'il y a une carte de cet endroit? Pas du tout. Effectivement, puisque de toute façon, la salle sur demande n'est sur aucune carte. Tout le monde est censé le savoir dans l'univers d'Harry Potter. Bref. C'était une question stupide. Merci. Bon, tu finis de manger, toi? Merci. Le petit temps de chargement masqué, c'est plutôt bien fait. Hop, on récupère du 6 imbres, une mandragore. Voilà qu'on pense à faire ce qu'il nous faut pour les fameuses potions. Cela me sera plus utile quand j'aurai quelque chose à identifier. Invoquer le métier à tisser enchanté. Alors, l'invocation, c'est ça. Paf.
Accessoire. Métier à tisser enchanté. On va le mettre de l'autre côté, ici. Paf. Ça va, on a suffisamment de pierres de lune. C'est pas ce qui coûte le plus cher. La compteur principale pour les statistiques offensives, gna. Ajouter un attribut sur un vêtement. Eux, ils sont déjà équipés. Qu'est-ce que je porte? Je porte la tenue rustique. Je porte également une magnifique écharpe à franges. Ah non, les améliorations, c'est les petits traits, d'accord. C'est pas les emplacements d'attributs. C'est pas les attributs. Et ben sur ma tenue noble azur, on peut augmenter la défense. Oh, c'est façon RPG, hein. Mais c'est bien fait. Ah, on peut aussi ajouter un attribut. On peut faire les deux. Afficher les attributs. Effectivement. Après, on n'a qu'un seul emplacement là-dessus. Il est déjà pris. Dégâts infligés au chien noir. Dégâts accrus avec Andoloris. On l'a pas encore. Dégâts accrus avec Incendio. Ça, c'est sympa. Elle a beaucoup à découvrir. Hein. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. On va pouvoir se faire un équipement de fou. Build de Incendio. Incendio Uno. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui. Genre de la magie qu'envoie des Avatar Kedavra autour de moi, puissante. Sans que j'ai rien à faire. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Tous les vêtements? Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Bien entendu. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de Préolar vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Oui, oui, on en a rencontré un en début de jeu. Merci pour ton aide, Chick. Parfait! Eh ben, c'est pas mal! On a pris un level, non? Même pas. Dommage. On a gagné quelques défis. Ok pour ça. Gant de farfadé. Oh, l'ensemble de premier de la classe. Ça, c'est sympa. Pour avoir terminé des devoirs. Donc ça, c'est bon. Et en salle sur demande... Magie ancienne. Set d'attributs, d'équipement, d'accord. Créateur de ruche de Billy Wig. On les revoit partout, ces créatures. Oh, on commence à être bien équipé, c'est bien. On a eu ça, mais c'est... Quoique, ça rend pas mal sur ma baguette. Allez, on va essayer de porter ça pendant quelques temps. Pour l'instant, je suis pas particulièrement satisfait de ce que j'ai pu récupérer en termes de manches de baguette. Hein. J'aimerais bien des choses beaucoup plus séduisantes. Eh ben, c'est pas mal, déjà. On est plutôt bien, là. J'ai pas de points de talent, bah non, j'ai pas eu d'autres niveaux, donc parfait. Ah oui, je voulais regarder la tenue de premier de la classe. Parce que là, il y a du respect quand même, dans cette tenue de premier de la classe. Oh, mais pourquoi toujours ces pantalons dégueulasses, là?
Par contre, il faut reconnaître qu'il y a, il y a beaucoup de respect dans cette tenue. Bon, on va porter ça pendant un temps, mais le pantalon, quoi. Il est d'époque. Eh ben, les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cette session de qualité. En off, j'essaierai d'aller récupérer des choses encore, hein, bien sûr, d'améliorer peut-être mon équipement, on verra. Rien qui ne fasse avancer, bien sûr, la campagne sans tournage. Mais en attendant, n'hésitez pas à laisser les commentaires que vous souhaitez sous la vidéo. Le pouce bleu qui va bien, ça fait toujours plaisir. Partagez, bien sûr, sur les réseaux sociaux la vidéo, n'hésitez pas. C'est tout à fait bienvenu. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avec la cloche, sans la cloche, comme vous le souhaitez. Mais de préférence, avec la cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos, les amis. Salutations de l'infini.